Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai trouvé dans un garage une pièce très rare franchement en voiture. C'est la traction avant. Franchement, très belle voiture de collection. C'est très rare. On va regarder ça plus en détail. Donc, très ancien modèle. Mon père m'en parlait. C'était plutôt les voitures de l'époque de mon grand-père, tout ça. La traction avant, c'était quelque chose. Avec le moteur, batterie, on voit le radiateur ici. C'était la voiture des présidents, je pense. Ça date plutôt avant la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. C'était une des premières voitures avec la traction avant, justement avec le moteur en avant. Avant, les voitures, elles avaient plutôt le moteur en arrière. En ultra grand angle. Alors, des voitures de 1935, je pense 40, 1960. Comment elle s'ouvrait? Comme ça, carrément. C'est impressionnant. On sent les voitures anciennes. Il y avait la même odeur dans les voitures des années 70 encore. Peut-être les essuie-glaces a changé. Ah carrément, il y avait encore la manivelle. Ah, encore le démarrage à la manivelle, incroyable. Il n'y avait pas de démarreur. Oui, non, il y a un démarreur. Mmh. Il y a un démarreur. Mais pas électrique. Non, oui, le démarreur est électrique, oui. On a un bouton pour démarrer. Ah, il y a le moteur, il y a la manivelle encore. Il y a démarré, mais il y avait la manivelle à l'époque. Ah, c'était les générations d'avant qui n'avaient que la manivelle. Ah oui. Ok. Elle date de quelle année, celle-là? 55. 55. Je vais en faire une petite vidéo, je vais la mettre sur YouTube, on sait jamais. Pour les collectionneurs. Vous voulez que je dise le nom du garage? Non, non. Non. Pas... D'accord. Ah ouais, avec la lumière. Le tableau de bord minimal. Ah ouais, la poignée de vitesse carrément sur le compteur. Les pédales, rien n'a changé niveau pédales. Au moteur, qu'est-ce qu'on peut voir? Le radiateur avec la grosse hélice, la courroie, ça doit... Ah ouais, carrément la courroie. Les sorties d'échappement, donc il y a les cylindres juste derrière les sorties d'échappement. Là, une sorte de carburateur. Donc sûrement en haut le filtre à air. Ok. Les jantes en alu, non, je rigole. La particularité, c'est les voitures avant, carrément, elles se démarraient avec une manivelle. Mais celle-là, là, les deux, manivelle et démarreur électrique. On mettait une clé comme ça. Le pare-choc. On dirait que le pare-choc, il est... Donc c'est la Ford Ka pour le problème de la vie. On va la rentrer. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur la traction avant.
C'est sympa de voir une ancienne voiture comme ça. Allez, à bientôt.